Salut tout le monde, j'ai fait quelques préparations. Regardez les unités que je vais amener. Oh, je vais saver avant pour pas perdre toutes mes préparations. Donc, on va amener Leaf au combat parce que le prochain chapitre il est extrêmement difficile. On va amener Finn. On va amener Karen. Pourquoi j'ai donné cette épée-là? Parce qu'on va vraiment avoir de besoin de nos meilleures unités. Ça va être un combat assez difficile. Caroline, elle peut pas encore prendre l'élite. Ah oui, elle peut, ok. Faut que j'y trouve une bonne épée parce qu'elle va en avoir de besoin. Voyons où est-ce qu'on peut voir les épées. Es-tu dans la bonne option, item? Bon. Niveau C, 13 mètres, 20 coups critiques. Parce que là, ma mission, ça va être de détruire les balistas avec Karen. Mais elle est pas très forte, fait que ça risque d'être pas si facile que ça. J'essaierai d'improviser quelque chose. Et là, l'élite Sjord, je préfère la laisser à Shiva. Sinon, ça va être, pour le moment, ça va être mon armée. Leaf avec la King, pour qu'il donne des boosts en charisma. Finn, on va y amener un Knight Proof, on va peut-être le faire changer de classe, ce chapitre-là. Karen, elle va être très utile. Nana, comme d'habitude, on va y laisser cet équipement-là. Non, on va peut-être y donner une Slim Sjord pour qu'elle aille vite mieux. Toi, Shiva, tu n'auras pas de besoin. On va en faire l'équiper tout de suite parce que là. Lara, elle va être correcte. On va lui donner un Knight Proof tout d'un coup que j'en ai de besoin d'un autre. Sa fille va être extrêmement utile. Carrion, on va peut-être. Y a-tu des armes pas pires pour lui? Peut-être une Slim, ça serait pas pire au cas où qu'il y ait des problèmes. Ah, j'en ai pas beaucoup de Slim. Oh, une Iron, ça va faire la job. Le prochain chapitre, je vous dis, il est vraiment pas facile. Il est un peu bas level, fait qu'on lui donnera pas de. Le truc pour changer de classe tout de suite. On va amener aussi Shiva. Olwen, ça se peut qu'on lui donne le ambush manual. Là, elle l'a sur elle. Mais c'est très possible qu'on lui donne le ambush. Autant, on n'a pas le choix. On a besoin d'un gros tueur. Maritosh compte l'entraîner. Fait qu'on va l'amener. C'est toujours utile. Moins que je pourrais y donner la Elite Sjord au lieu d'y donner le Elite Manual. Mais je pense que le Elite Manual, il va être pas pire pour elle. Moi, je garde le Elite Manual pour d'autres personnages. Non, je vais le donner à elle. Pan, ben lui, on va l'amener comme ça. Glade, je vais checker si je réussis à faire quelque chose. Ça serait pas pire si je réussis à faire ce que je veux. Puis là, Salem est fatigué, fait que je vais vous montrer un truc qu'on peut faire avec Salem. Avant, je vais lui donner un Magic Ring. Ah non, j'ai le Magic Up, ça marche. Magic Up, on va le donner à Safi. Son repère, on n'aura pas de besoin pour le moment. Avec tout ça, on devrait être correct. Ouais, ça devrait être parfait. Ok, on devrait avoir l'équipement qu'on veut. On va saver tout. Ouf! Bon, je vais faire l'introduction du chapitre, là. Chapitre 14. Ouvrez le feu! C'est vraiment un chapitre très épique.
Je ne vois pas Rist. Oui, je crois qu'il est mort ou qu'il a été capturé. Oh, pauvre Rist. Sire, Rist a désobéi à vos ordres. Cela lui apprendra. Oh, je ne vous ai jamais voulu attaquer Tara. C'est mon hésitation qui a amené plusieurs soldats à leur mort. C'est de ma responsabilité. Ris de moi, Baldak. Ris de ce vieil homme. Mauviette. Commandant. Je n'hésiterai plus. En tant que guerrier de Fridge, je vais remplir mon devoir. Vas-tu m'aider, Baldak? Oui, bien sûr, commandant Paulus. Les forces principales de la 8e Légion sont arrivées. Commençons l'attaque! Oui, j'enverrai mes forces t'aider une fois que tout sera prêt. Fais attention à toi, mon vieux. Oui, je jure sur mon honneur que je baiserai Tara. Et voici le gros méchant Paulus et son acolyte Baldak. Paulus, qui est un général de l'Allemagne, je pense. Lady Linoan, l'attaque a commencé. Oh mon dieu. La toute puissante attaque de l'Empire. Qu'est-ce que Lord Leaf fou, merde. Le prince est en train de parler avec les autres commandants. Je vois, est-ce que Dean est avec eux? Dean surveille le portail au sud parce qu'il n'aime pas beaucoup les meetings. Mon frère peut être difficile parfois. Non, je n'aurais jamais survécu sans lui. Après que mon père a été tué, notre manoir a été volé. Et pour 2 années, on n'a rien plus foutre. On n'a même pas pu aller dehors. C'était plate en tabarnak. Puis le gars qui me surveillait, il arrêtait pas de me frapper, puis il me disait des méchantes choses. Mais là, Dean est arrivé, puis il m'a sauvé. C'est mon chevalier. Wouh! Il m'a protégé, puis il a toujours été là quand je me sentais pas bien. Je suis sûr que c'était un mercenaire super bien connu. Mais je n'aurais jamais su qu'il travaillait sous les ordres de Seigneur Arion. Le prince Arion savait du danger que Tara était, mais il voulait te protéger, toi, son épouse. Dean a tellement été content de voir la confiance que le prince lui accordait qu'il a abandonné son armée pour devenir mercenaire du prince. Lord Arion a fait tant de choses. Il ne pouvait pas laisser sa contrée, mais il ne lâche. Bon, crois en notre victoire, Linoan, on va aller botter des culs. Bon, c'est une blague, Linoan, on va se faire complètement violer parce que ce chapitre-là est extrêmement difficile. Donc ici, on a Paulus. Paulus qui a des armes crissement sexy. Il a des statistiques pas pires aussi. Regardez, il y a des A partout, il est complètement drogué. Il y a 4 leadership stars aussi. 4 leadership stars, c'est plus 12 à void pour tous nos personnages. Lui, il y en a 3, fait qu'on a de la void en plus. Puis il y a une master, ça va vous niquer complètement. Donc ce chapitre-là sera vraiment pas facile. Fait que je vous dis tout de suite, là, je commence à être tanné ce chapitre-là, mais on va voir commencer, c'est sûr et certain. Donc moi, ma stratégie que je vais faire, je vais essayer de faire Glade. Je sais pas si ça va bien marcher. Mais je vais mettre Glade ici. Puis je vais espérer que tous les ennemis se garochent sur lui. Sans qu'il y ait trop de troubles. Je vais essayer d'envoyer un gars pas trop pire. Parce que là, un début de ce chapitre-là, ça va être de visiter toutes les maisons rouges. Est-ce qu'il peut être attaqué? Oui. Fait que là, je vais envoyer des personnages par rapport, genre Ada, je l'utiliserai jamais. Je vais essayer de risquer qu'elle meure pas, mais j'aurai pas le choix. Faut visiter toutes les maisons rouges qu'il y a. Puis faut se défendre contre l'armée. On a un tour pour nous défendre, mais après le premier tour, ils vont commencer à entrer dans la base, puis on va se faire complètement attaquer. Il va falloir visiter cette maison-là, qui donne une magie très intéressante. Puis cette maison-là, qui donne la meilleure lance du jeu. Ouais, j'irais jusqu'à dire sa meilleure lance du jeu. Seulement utilisable par Dean.
Elle est exactement comme celle de Finn, mais elle donne elle donne ambush en plus. Elle donne un autre truc aussi, je sais plus c'est quoi qu'elle donne, mais elle est vraiment très bonne. Puis on la veut à tout prix, fait qu'on va essayer de s'organiser pour qu'on l'aille. Donc là, c'est juste un essai. Ce que je vais foutre, je vais envoyer Glade ici, puis je vais espérer que tout le monde va se balancer sur lui. Pourquoi j'ai pris Glade? C'est parce qu'un leadership star, donc on a plus 3 à void automatiquement. Puis après, ce que je vais faire, je vais envoyer Karen tout de suite aller sauver cette maison-là, mais ça sera pas facile pantoute. Donc c'est vraiment pas une mission qui va être de tout repos. Ok. Toutes mes unités sont safe si je me dirige par en bas comme ça. On va commencer par rider avec Nana. Evade. La Slim va être excellente pour elle. On va commencer à déployer un peu nos unités là. Finn, on va sûrement le promettre. Un jour ou l'autre, parce qu'on va vraiment avoir besoin de sa promotion. Leaf, on va le laisser avec la Knight, avec la King's Yard pour qu'il soit badass. Donc là, ce que je veux faire, je vais essayer de bloquer tout. Est-ce que les boss peuvent attaquer par ici? Je vais positionner Shiva ici. Je vais espérer que ce bord-là tienne la route avec Glade. Parce que là, c'est une stratégie que j'ai jamais essayée. Mais bon. Je pense que ça vaut la peine de l'essayer, juste pour voir. Donc, Marita, je vais l'envoyer se battre ici aussi. On va lui donner la Elite Skill tout de suite. Qu'elle XP plus vite. Oh! Second mouvement. Sinon, on va complètement se faire tuer, fait que... On va essayer de l'amener rapidement ici. Là, vous allez me voir échouer, je vous le cache pas, là. J'ai pratiqué, mais ce chapitre-là n'est vraiment pas facile. Là, il faut me trouver une unité qui va survivre. Toi, t'as comment de défense? 6. Pas super. Attends, on peut quasiment lui donner sa promotion. Glade. Evade. On va attendre un peu. Au loin, elle va se faire shooter par les balistas. On va lui donner ambush tout de suite. Bon, il est où Salem? Hey, j'étais sûr de l'avoir amené, il est où? Putain, j'ai oublié Salem. Parle d'un fail. Bon, ça fait rien, je vais vous montrer le chapitre, mais je voulais amener Salem pour endormir ce gars-là, mais on le fera pas, on dirait. On va envoyer Dean se battre un peu, ce chapitre-là va être vraiment dur. Quinte, oui. Dean, c'est vraiment une unité très bonne. Il est dans nos meilleurs, c'est sûr. C'est qui a le Magic Up? Ah putain, c'était Salem qui avait le Magic Up. Bon, ben, on peut pas utiliser le Thief Staff non plus. On va le faire quand même. On peut pas voler à beaucoup d'unités, vu qu'elle a pas beaucoup de magie. Elle peut-tu voler... Ça, je voulais faire utiliser le Thief Staff pour qu'elle gagne de l'expérience, mais bon. On dirait que non. Yeda, ben... En fait, je m'en fous crissement d'elle. Si elle meurt, ça me dérange pas. Mais on va commencer à visiter des maisons. Bordel, je veux décrisser d'ici. J'espère, bro, si ta ville au complet est en train d'être attaquée. Bon, avec Leaf, on va aller ici pour donner du support. Du plus 10 aux autres unités. Puis on va commencer. Donc vraiment, c'est un gros chapitre, c'est vraiment la grosse guerre.
Donc Pan ici, il va attirer beaucoup de Ballista. Bien de voir que Shiva peut survivre. Toutes les unités vont venir. Discussion. Hey, tu t'en vas? Ouais, rester ici, ça servirait à rien. Wow, tu peux pas partir. Les gens ici t'ont servi parce qu'ils voulaient de ton aide. Tu ne seras pas très populaire si tu pars maintenant, en particulier auprès des femelles. Non, mes servants sont arrivés. Je suis le roi, le prince, alors je dois partir rapidement. Retourner à mon pays.